Et salut tout le monde, c'est Frag et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft en Event Archive pour une vidéo qui va me permettre de combler les trous sur ma chaîne en attendant que j'ai mon nouveau PC. Donc je raconte un peu ma vie, on s'en fout. Donc sur un petit Event Archive sur le serveur d'Angelomarin 30, je vous mettrai l'IP du serveur Event Archive dans la description de la vidéo. Donc c'est une petite vidéo comme je vous l'ai dit pour combler les trous. Je vais essayer de faire mon maximum, enfin j'ai essayé de faire mon maximum durant cette vidéo pour combattre les lags et les chutes de FPS. Et donc voilà, donc je vais vous faire un petit post commentary, enfin je suis en train de vous en faire un, hein, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Pour la chaîne, vous allez voir que à partir de à peu près Noël ou janvier, vous aurez un maximum de vidéos, à peu près une par semaine, souvent samedi ou dimanche. Des vidéos surtout des Hunger Games et peut-être des mini-jeux. Je sais pas encore sûr ce que je vais faire sur la chaîne, mais Hunger Games c'est vraiment sûr avec ma team. Donc pour voir quelques-unes des vidéos. Donc j'ai commencé à commenter le gameplay, pardon. Donc là on a un petit Jean Kevin qui arrive vers nous. Alors je sais pas si c'est vraiment un Jean Kevin ou c'est qu'il a un skin, mais je sais pas parce qu'en fait il y avait des bugs de Minecraft.net à ce moment-là. Donc là j'ai sauté dans l'eau, c'était voulu parce que j'ai des enderpearls donc je pouvais sortir dans tous les cas. Il part. Je me dis que je vais sortir. Je sors évidemment. Et là je vois des gens donc. Distance Tiny qui me fait défaut. Ensuite Modifier qui me tire juste à droite de moi. Modifier qui meurt tué par Blazer. Blazer qui est le petit Père Noël ici. Il n'y a plus de Père Noël. Désolé les enfants. Donc vraiment eu un gros coup de stress à ce moment-là. Ensuite, là un peu perdu. Chute d'FPS aussi. Encore un Jean Kevin qui se téléporte. J'appelle ça Jean Kevin parce que je sais pas son pseudo. Je lui tire dessus. Et non, j'ai eu le poulpe, j'ai pas eu le joueur, on va dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un gros coup de stress parce que je me suis bloqué dans un arbre, j'ai perdu des cœurs. J'ai essayé de le contourner. J'ai encore tiré une enderpearl pour rien. Et là, je savais plus du tout où il était. Alors j'ai fait mon lâche, je suis parti en courant, je déteste ça, mais bon, j'étais vraiment obligé. J'ai pas tiré d'enderpearl parce que j'aurais été sûrement mort. Je suis parti en courant. Ça a pu me sauver de partir en courant. Et de vous faire un bon gameplay. Donc là je me retourne et là je vais. Non c'est pas tout de suite mais bon. Vous allez voir. Là je me retourne et là il y a quelqu'un qui arrive. C'est dur de faire les pauses commentaires. Bon cette petite personne je vais les shot en quelques coups comme vous pouvez le voir. Là on m'a mis un jump boost. Je déteste ça les jump boosts. Je l'ai touché une fois. Et je vais essayer de leur toucher. Et réussi. Voilà. Ça fait 3 kills, voilà. Je vais essayer d'en faire un quatrième. Donc je pointe vers Shui Charlie. Shui Charlie qui est un panda. Enfin, son skin est un panda. Je vais essayer de le tuer correctement. Donc j'étais en hauteur, donc il avait plus d'avantages à me tuer. Mais j'ai quand même réussi à l'avoir. C'est assez chaud. Et il reste deux joueurs. J'ai eu un petit coup de stress parce que je savais que Mina71, dédicace d'ailleurs, parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Et je sais qu'elle est très forte à l'arc. Donc j'ai eu un gros coup de stress. Je me suis même demandé si j'allais pas perdre cette games. Donc vous verrez à la fin des vidéos si j'ai gagné ou pas. Je vous fais. Voilà, je vous laisse un peu de suspense. Donc là, la distance Tiny qui me permet pas de voir où elle est. Je la vois arriver comme une guerrière. Je stresse un peu. Oui, je vous avoue que j'ai un peu stressé pour cette partie. Je lui tire dessus, mais je ne peux absolument rien faire parce qu'il y avait des arbres devant elle qu'on ne voit absolument pas. Si vous le prouvez ici, voilà. Donc il y a des arbres. Donc là, gros coup de stress, 32 blocs de moi. Je m'en vais parce que je sais pas où elle est. Je retourne à mon point, l'endroit où j'étais juste avant. Et là, elle va arriver. Vous allez voir ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Regardez toutes mes autres vidéos, vous abonner et tchuss! Ça, c'est la rage totale.